pense que vous vous réveillez comme ça de bonne heure, la première chose à faire, c'est de remercier l'esprit universel parce que vous êtes hors du monde. C'est très important. Et nous nous sommes réveillés, nous sommes en bonne santé, nous prenons un petit déjeuner. Donc il faut dire merci. C'est une forme de gratitude qui peut nous ouvrir énormément de portes. Le fait de dire merci, merci, merci pour ce petit déjeuner. Merci parce que nous nous sommes réveillés. C'est déjà une richesse en elle-même. Merci parce que nous sommes éveillés, nous sommes conscients. Nous pouvons prendre notre café, nous pouvons prendre notre jus d'orange aisément. Tout ceci, c'est des bénédictions. Il faut dire merci. Il y a des gens qui se disent ceci est tout à fait normal. Oui, on peut voir les choses de cette manière-là, mais on peut les voir différemment. En pensant par exemple aux personnes qui se sont endormis hier soir en bonne santé et qui ne se sont pas réveillés ce matin. Ça veut dire que leur mission sur Terre est finie. Mais nous, on est toujours là. Donc notre mission sur Terre est encore en action. Et rien que pour ça, il faut dire merci. Un jour de plus sur Terre, c'est magnifique. Donc, faut savoir dire merci pour ces merveilleuses bénédictions. Il faut toujours voir les choses de manière positive. Donc, il y avait ce vieil homme très très mature qui a atteint pratiquement les 100 ans et qui était toujours de bonne humeur le matin. Il avait toujours le sourire le matin. Et quelqu'un lui posa la question suivante. « Mais pourquoi est-ce que vous êtes toujours souriant de moi ?» Et il a répondu de la manière la plus simple. « Quand je me lève le matin, j'ai deux choix. Soit je décide que ma journée soit positive, soit je décide qu'elle soit négative. Tout dépend de moi. Le choix m'appartient. Ben, écoutez, je ne suis pas bête pour choisir le côté négatif. Et puis surtout dépend de moi. Ma journée dépend de moi. Donc je peux me dire ma journée sera extraordinaire. Et elle le sera. Les premières minutes de la journée sont le gouvernail de la journée. Donc il faut en sorte que ces premières minutes-là soient positives en disant merci, merci, merci mon Dieu pour ces merveilleuses bénédictions. Donc à travers la gratitude, nous ne pouvons qu'être heureux, nous ne pouvons qu'aller de l'avant. Voilà.